Mais à 5 sommets de l'arrivée, j'étais fermé, bloqué. Je pensais que c'était fini, mais à 300 mètres, j'ai vu une ouverture. Et je pense que j'ai lancé le sprint à 150-200 mètres. Et c'était bien pour la victoire. Et quand on vous a vu sortir devant, sur les derniers mètres, vous étiez sûr de gagner. On a vu que vous Ouais. étiez très sûr de vous. Hein. Sûr, t'es jamais sûr. Je sprint jusqu'à la ligne, mais c'est bien. Vous avez gagné les 2 premières étapes du Tour de Catalogne. Oui. Vous avez aussi été deuxième des étapes finales. Donc les débuts d'étapes, les débuts de tour, ça vous va bien? Normalement, oui, à cette saison, oui. Évidemment, je me vois plus puncheur que vrai sprinteur. J'étais vraiment surpris que battre des Nizzolo, Ferrari, Goss. J'ai jamais pensé battre des coureurs comme ça, mais quand j'ai des bonnes jambes. J'avais des problèmes pendant 2 ans, opéré mon genou, mais le pire c'était mon dos. Je suis opéré à mon dos hernia et ça a pris du temps, mais maintenant c'est mon 3e saison, j'ai pas de problème et ça se voit. Oui, si Marc était encore là avant la dernière course, c'était pour lui, mais il disait déjà qu'il n'était pas super. Et s'il n'était pas là, c'était pour moi. Mes coéquipiers ont bien travaillé et je suis vraiment content avec cette victoire. J'ai vu une bonne équipe à 10 km de l'arrivée avec deux et à la fin, tout le monde était là. Ça veut dire qu'il y a de la confiance et j'ai gagné. Voilà, il y a plus de confiance, je pense. Après Tour de Romandie, j'ai fait Francfort, Tour de Californie, Dauphiné et normalement Vuelta. Je vous remercie beaucoup, Daniel. De rien. Merci Merci beaucoup. beaucoup. En français, à bientôt. Merci, au revoir.